Salut à tous et à toutes, ici Desna. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement la Kobo Aura 2. Donc, c'est tout simplement une liseuse. Vous allez dire à quoi ça sert une liseuse? Ben, c'est pour lire, tout simplement. Donc voilà, la liseuse, elle est comme je vais vous montrer. Donc comme vous voyez, c'est tout simplement enfin non, ça c'est le flip, la flip cover en bref qui protège. On va vérifier ça tout de suite. Donc voilà, quand on l'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Là, donc elle est éteinte. Voilà, je l'allume. Comme ça, vous voyez qu'est-ce que ça donne quand elle est allumée. Voilà, donc ici il y a un mot de passe, ça je vais le passer. Et voilà où on arrive. Donc voilà à quoi ça ressemble une Kobo. Donc je vais vous montrer un peu de plus près à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble la Kobo. Vous voyez un peu plus près à quoi ça ressemble l'accueil. Donc là, nous avons tout simplement l'accueil, comme j'ai dit, mais surtout vous voyez le menu déroulant, pardon. Donc c'est bien, c'est un beau menu. Vous pouvez aller dans Articles qui se trouve ici. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous montre un peu de plus près. Je vais maintenant vous montrer de plus près ce que ça donne, enfin l'effet de l'écran, bref, pour que vous avez un peu un aperçu de l'écran. Vous voyez, c'est fort près. Hein. C'est, je veux dire, c'est fort. Et il n'y a pas de lumière dessus. Je veux dire, c'est vraiment. C'est un écran. Il n'y a pas vraiment de pixels, quoi. C'est ça que je veux dire. Enfin, oui et non. C'est un truc spécial. Et c'est vraiment très agréable à l'œil. C'est vraiment très agréable à l'œil. En bref, quand vous lisez, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, la petite vidéo sur la Kobo. Comme ça, vous savez plus ou moins un tout petit peu à quoi ressemble une Kobo, une liseuse en bref. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, c'était Desnat.